Si tu étais président de la République, que ferais-tu? Je rechange ma yacht. Pour un compte de Pierre Rousseau. En plus, c'est vendu des villages. En faire beaucoup de activités pour les enfants. Je voulais vous dire, parce que je suis président, je veux que tous les élèves ont des scolarités, des choses comme ça, pour qu'ils aient des bus pour venir au collège. Si j'étais président, j'aiderais les gens pauvres, ceux qui n'ont pas de maison, les enfants qui sont dehors en train de traîner et de tuer les autres qui vont à l'école. Je vais prendre des personnes et je vais leur dire d'aider ces enfants qu'ils soient plus respectueux. J'aiderai ma famille. Quand je serai président, j'aiderai les gens qui sont pauvres et ma mère encore. Je vais lui donner une grande maison. Si j'étais président, je ferais que Mayotte, dans les écoles, il y a des nouveaux matériels. Et je ferais que tous ceux qui n'ont pas rien à manger, je ferais qu'ils ont des rien à manger et j'augmenterai les salaires. Quand je serai président, j'aiderai les gens pauvres et les gens qui font les voyages en Grand Comore et à Mayotte. J'essaierai de les aider. Plus fort que ça. J'essaierai d'aider les écoles, des collèges et des primaires. Et j'aiderai aussi ma famille et toutes les familles qui ont des problèmes. Si j'étais président de la République, je déciderai de construire une école spécialisée pour les enfants qui n'ont pas accès à l'école et surtout de diminuer leur délinquance à Mayotte. Pour être président, il faut défendre la ville de Mayotte et que les gens ne fêtent pas du délinquant. Si j'étais président, je nettoyais la nature pour que l'environnement soit propre. Si j'étais président de la République, je veux que ne reste pas de violence en Mayotte. Si j'étais président, je noterais notre village pour être propre et mettre des lumières partout. J'aimerais mon village soit riche. Si j'étais président, je ferais en sorte que il y a moins en moins de délinquants en Mayotte. Si je suis président, j'économise tout le village et j'accepte aider tout le village, toutes les gens. Si j'étais président, j'aiderais les familles pauvres et les enfants qui sont dans les rues, qui n'ont pas de maison et qui ne vont pas à l'école. Et les parents qui n'ont pas de travail, je leur trouverai du travail. Et les familles qui sont pauvres, on leur donnera un peu d'argent pour qu'ils puissent nourrir leurs enfants. Les écoles seront agrandies, les maisons aussi. Et dans les bibliothèques, il y aura plus de livres pour ceux qui veulent aller lire. Il y aura plus de bateaux pour ceux qui veulent partir en voyage et d'avion. Si j'étais président de la République, j'ai donné les gens à manger. Oui, si j'étais président de la République française, j'aimerais bien que tout le monde soit français. Si j'étais président, j'aimerais bien aider les gens qui sont handicapés et leur donner de l'argent pour y aller à l'hôpital. J'aimerais bien construire des maisons, les gens qui dorment dehors. Je ferai mon village être bon, faire des passages piétons et on ne coupe pas les arbres. Si j'étais président, je ferais que mon île change et que les gens ont une vie meilleure plus que celle-là. Si j'étais président, je prendrais des mesures pour qu'il n'y ait plus de violence, de faire des logements de ceux qui n'en ont pas. Je ferais beaucoup d'écoles. J'aimerais aider les gens pour le faire à manger. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les délinquants disparaissent dans la rue. Moi, président de la République, j'ai construit beaucoup de prisons pour mettre les délinquants et les gens qui empêchent les gens de circuler dans la ville. Moi, président de la République, j'ai construit des hôpitaux beaucoup dans Mamoudzou, Mayotte, comme ça. Si
j'étais président de la République, je ferais construire les routes et je lutterai contre les violences des femmes et j'augmenterai les salaires des femmes, des jeunes. Et si j'étais président de la République, je ferais Mayotte vraiment la France. Je lutterai contre la maladie, je baisserai les choses moins chères, j'aiderai les gens pauvres, je ferai des grandes écoles pour les enfants qui n'ont pas d'école, qui ne sont pas scolarisés. Si j'étais président de la République, je lutterai la violence à Mayotte, j'aiderai les pauvres pour leur construire des maisons, j'aiderai les enfants qui sont dehors, qui ne sont pas à l'école pour les construire des écoles. Je ferai tout mon possible pour qu'il n'y ait pas de violence entre les femmes et les hommes. Je ferai construire des écoles pour les enfants qui ne sont pas à l'école. Je donnerai à manger aux orphelins. J'aiderai les gens qui sont pauvres. Je construirai des maisons pour les gens qui vivent à la rue. Si j'étais président de la République, j'aiderai les pauvres, les bonnes personnes qui sont à la rue. Je leur donnerai du travail à faire, des maisons. J'aiderai les handicapés. Si j'étais président, je ferais tout que personne ne meure de faim et j'ai aidé les pauvres et je félicitais les handicapés et j'ai construit un grand hôpital et beaucoup de médecins. Et j'ai construit aussi à l'école coranique et des mosquées. J'ai aidé les pauvres pour leur donner du travail et je leur construis une grande maison. Si j'étais président, je aiderais les pauvres et je donnerais quelque chose qu'ils mangent et je donnerais une trique, ils mettent parce qu'ils n'ont pas de trique et je ferais un grand château, il a André parce qu'il n'a pas de château et je ferais une école. Moi, président, je construirai beaucoup de cantines à Mayotte. Moi, président, je ferai beaucoup d'universités à Mayotte parce qu'il y a des enfants de Mayotte qui vont à l'étranger. Moi, président, je ferai beaucoup de collèges à Mayotte. Moi, président, je ferai un pont à la base de Mamoudzou jusqu'à Petite Terre. Moi, président de Mayotte, je vais construire beaucoup de bâtiments pour des hôtels. Si j'étais présidente, j'aimerais que les garçons arrêtent d'ennuyer les filles. Quand je suis président, je vais aider les pauvres pour trouver du travail et pour construire leur maison. Si j'étais président de la République, j'aimerais bien que tous les enfants qui n'ont pas école soient remis dans des écoles. Si j'étais président de la République, je lutterais contre la violence, je construirais plus d'hôpitaux pour les handicapés. Je donnerai de l'argent pour ceux qui n'ont pas à manger. Je construirai plus d'écoles pour ceux qui n'ont pas bien étudié. Si j'étais président de la République, je ferais tout mon possible pour construire des routes. Je construirais des établissements pour que des familles entières ne se trouvent pas à la rue. Je mettrais toutes les mesures possibles pour réduire la violence sur toutes ces formes. Je faciliterai l'emploi des jeunes et je lutterai contre la pollution en protégeant l'environnement et les animaux. Si j'étais président de la République, j'aiderais les pauvres pour construire son maison et je ferai toutes mes possibilités pour aider les pauvres pour qu'ils soient au boulot. Si j'étais président de la République, j'aiderais les gens qui sont pauvres, je donnerais à quoi manger, je construirais des maisons. Si j'étais président, j'augmenterais les salaires, je construirais plus d'hôpitaux. Mais quand je serai grand, j'aimerais être président pour aider les gens qui sont dans des difficultés parce que c'est quand nous étions petits, tous les gens prenaient soin de nous, on doit s'aider contre les êtres. Et engager d'autres infirmiers parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infirmiers. Il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient dans les bonnes occupations, que dans des gens qu'on sait dans les difficultés.
je commencerai par installer de nouvelles universités et de nouvelles écoles pour tous les enfants qui n'ont pas accès à l'école. Puis, j'instaurerai de nouveaux bâtiments pour créer des ouvriers et du boulot. J'aiderai les gens pauvres et aussi construire des écoles pour les... Le jour où je serai président, j'aurai aidé les pauvres du monde, juste, surtout en Afrique. Président de la République, je voudrais être dans un bureau. Je serai grand, je veux faire...